Jeudi à ce vendredi 17 novembre 2017, l'IF 5 à 2 minutes. Gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue sur Radio Port, la Signal FM 90.5. C'est dernier sorti journal sans force côté qui entre la caillou pour semaine ça. Même titre qui domine à actualité. Arrêté présidentiel qui nomme Roux État-major la MEA pour un petit bout de temps publié hier jeudi. Roux État-major ça gagne pour mission rétablir, organiser et puis faire fonctionner la MEA. 18 novembre 2017 là pour marquer 214e anniversaire bataille vêtière, pouvoir en place là annoncer déploiement force la Médaïti dans ville au Cap. Défilé Roux État-major accompagné 150 soldats et puis agents PNH là pour ne citer ça seulement à Namenia. Dans l'idée pour remobiliser force l'armée d'Haïti, président République Jovenel Moïse déjà joué une bénédiction pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Décision à prendre en cas d'une rencontre qui était faite mercredi 15 novembre passé dans le Palais National. Avocat ancien ministre justice l'an dénoncé décision commissaire gouvernement Port-au-Prince dans Oknama clamé d'Ameus prend pour mettre mandat d'amener derrière Camille Junior Edouard qui c'est un sac illégal arbitré d'après déclaration maître Berto Dorsey. Commissaire gouvernement Port-au-Prince l'an bay l'ordre pour lever interdiction départ l'été mette derrière ancien ministre économie et finance l'an Yves Romain Bastien. Lancement officiel hier jeudi à Comité national pour avancement la justice CONAJ. Cérémonie déroulée dans local Cour cassation à Souchan Mas en présence président Cour cassation ministre justice là ak bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince là. Opposition politique là pas décidé chômer yo annoncé une nouvelle manifestation pour samedi 18 novembre là dans Port-au-Prince ak dans ville au Cap. C'est toujours dans même objectif là dénoncer loi finance 2017-2018 là ak départ équipe qui sous pouvoir. Et puis Haïti inondation des moun mouri parmi yo yon ti moun 12 l'année dans l'île Avage ak 23 kay inondé. C'est bilan inondation qui causé dans département Nip ak sud d'après go la pluie qui tombé depuis quelques jours sous pays d'après protection civile. C'est titre ça yo ak quelques autres encore qui pral faire essentiel journal Signal sans force côté pour matin vendredi 17 novembre là red branché n'ap tourner pour développement titre yo. Signal FM, nous pi fort, nous pi haut, nous pi loin. Signal FM 90.5, c'est radio qui fait équilibre. Merci d'être toujours été branché 90.5 là à www.signalfmhaiti.com pour informer dans l'ESA. Manœuvre technique Fabrice Boulané, production Ferro des Sources, coordination Josué Lexidon en bas supervision Tom Dumont, rédaction Arnold Dorsius, encore présentation Arnold Dorsius. Signal sans force côté. N'a pas démarré avec un dossier remobilisation l'armée d'Haïti. Remobilisation force l'armée d'Haïti doit faire suivant norme version amendée constitution haïtienne 1987 là. Sin kakwe, président Assemblée nationale là. Yori la tortue by garantie d'ici 48 temps désignation yon recommandement chef cap gen pour mission rétabli la MEA. En écoutez cela Yori la tortue qui était dans micro Josué Lexidon. Il y a plusieurs réunions qui faites entre trois pouvoirs dans un premier temps, législatif, exécutif, judiciaire. Réunion également tout entre président exécutif et parlement sur cette question. Et nous devons justement porter un point de précision. Par rapport à l'entretien, il a discuté de la remobilisation des forces armées d'Haïti. Le président te promet ça dans la campagne. Moi-même personnellement, depuis 2006, c'est une question qui était toujours dans la campagne. Hein, que moi te dis, moi pour le travail pour la remobilisation des forces armées. Nous te dis que il était démobilisé forces armées en désordre. Là, on a démobilisé là, on décrète, on arrête pas de cas démobiliser. Faut à aucun moment y a pas fait remobilisation en désordre. Remobilisation doit faire de façon constitutionnelle. Et c'est peut-être ça. D'ailleurs, lundi de façon constitutionnelle. Il faut m'expliquer parce que l'armée était toujours dans la Constitution. Mais puisque de fait,
te gon démobilisation, soit pour remobiliser, faut respecter ligne constitution. Donc en fin de compte, l'armée a c'est une institution hiérarchisée qui est un commandant en chef, un état-major, des officiers supérieurs, des officiers subalternes, les gagnent le staff des enrôlés et les gagnent les soldats. Il y a plusieurs corps spécialisés. Et c'est peut-être ça. Dans la mobilisation, nous entendons que le fait selon la Constitution amendée de 1987. Ça veut dire qui ça? Faut président, premièrement, de fait, annuler, arrêter, quitter, démobiliser l'armée. Faut que li mette structure sous pied, mais structure c'est qui ça lié? C'est désignation en commandant en chef AI. Et commandant en chef ça lui-même, li doit venir devant Sénat de la République là. Et c'est commandant en chef ça qui pourra choisir état-major AI. Et le li ratifié devant Sénat, état-major abtenait l'état-major permanent pour 3 ans. Donc après un pile discussion avec pouvoir yo, nous entendons que gagner première étape de remobilisation ça la nomination de commandant en chef AI et au grade de général comme yo dit le commandant en chef c'est d'un niveau général et commandant en chef ça a choisi état-major et l'a présenté devant Sénat et c'est Sénat qui va ratifier ou non. Donc c'est la procédure à suivre pour éviter toute confusion. C'est important que pouvoir réunir et que nous prenions une décision qui allait selon la Constitution. Première, la remobilisation de l'armée, la désignation de commandant en chef, qui lui-même va choisir l'état-major, et après sa présentation devant le Sénat de la République. Et ça y aura fait très bientôt, dans les 24 à 48 heures, pour désigner commandant en chef. Et après sa désignation, le choix d'un état-major, l'abgain pour le présenter devant le Sénat de la République. Voilà, au tap côté président de l'Assemblée nationale, là, Yori La Tortue. Député circonscription, Mibale Adil, a appuyé toute décision président de la République prend pour remobiliser force l'armée d'Haïti samedi 18 novembre, cap Vinila. Député Abel Descolines, qui fait tête li passer comme opposition pouvoir en place là, croit li nécessaire pour payer à gain force l'armée par là. Pendant le temps participé dans la rubrique invité journal Réveil Info, député Descolines, qui rappelait l'armée avant qu'on fait un pile des autres dans le pays, souhaitait nouvelle force armée sali même li agit différent. En côté de député Abel Descolines qui t'a répondu à une question France Exantus. Abel Descolines gagne de profonds désaccords, voire même des oppositions caractérisées avec pouvoir et qu'il a néanmoins, moi quoi, c'est un pas dans la bonne direction que l'actuel président de la République, eu égard à la Constitution, que l'y décider rende opérationnelle l'armée d'Haïti. Puisque, n'a pas rappelé, décision qui était prend par président Aristide pour mettre fin dans l'activité de l'armée d'Haïti, ça a été une décision politique, n'est pas une décision constitutionnelle, puisque la Constitution de 1987, amendée jusqu'à présent, dans ses articles, les reconnaît que pays 1 gagnait une force armée, nous relais force armée d'Haïti. Donc, étant donné que ça a été une décision politique du président Aristide, depuis sous administration président Matéli, il y avait une autre décision politique qui était rentrée, arrêtée, que président Aristide était prend. Maintenant, président Jovenel Moïse, dans le cadre de promesses, l'était fait, ben, décidé pour que la MEA allait retourner opérationnelle. Donc, nous, même nous, t'es toujours favorable pour que les pays d'Haïti les disposer d'une force armée. Puisque ça nous était toujours dit, faut que nous pas confondre les hommes qui étaient fait partie de l'armée hein, et institution en même. Il y a l'institution, il y a les hommes. J'en ai aujourd'hui un, Abel Descolines, sous deuxième mandat comme député. Il y a une date pas parlementaire encore, mais l'institution parlementaire a pas toujours existé
dans le pays d'Haïti. Donc moi-même, on était toujours favorable à cette institution militaire. Donc c'est une bonne nouvelle que l'institution va retourner opérationnelle le 18 novembre. Voilà, t'as pour tes députés Abel Décolline. Dans ça qui vient pour être toujours à cas dossier remettre la médaille campé, mettre Emmanuel Exil, mandé président républicain pour le chita parler à cas différents secteurs en vie nationale là, pour pi bien remobiliser la MEA. Monsieur Exil fait quoi ses chefs l'État pas dialoguer avec tout secteur en vie nationale là. Donc, ces forces l'armée rose pâle l'a fait pour aller défendre le gouvernement. Plus de détails avec Fleurage aux yeux depuis Ville-Inch. M. Emmanuel Exil, yon militant famille Lavalas en dedans Ville-Inch, déclaré n'y pas de problème avec mettre campé yon force armée d'Haïti pour le peuple en sécurité. Mais c'est pas Jean président Jovenel envisagé celle journée aujourd'hui. M. Emmanuel Exil déclaré si président voulait former une force armée pour peuple capable de faire confiance, il t'a dû parler avec tout un secteur organisé en dedans pays après bail disons yo dans création force armée ça. Toutefois, il déclaré si président pas accepté chita avec organisation yo, c'est on la mais rose li pral former pour permettre qu'a kembe pouvoir pendant quantité temps PHTK voulait faire dans tête pays a. En écoute des déclarations, maître Emmanuel Exil. Nous dit qu'il y a divers citoyens dans le plateau central là qui disent d'accord avec le président Jovenel qui voulait remobiliser l'armée d'Haïti pour payer la sécurité parce que c'est qu'on est peut-être pas capable encore avec un bandit sans foi ni loi qui a acheté payer à l'argent comptant. Mais il y a tout qui dit pas comprendre façon président pour mettre camp et force armée ça. Les divers secteurs continuent à dire qu'ils pas d'accord pour Jean-Président voulait faire force armée. Et de l'autre côté, nous estimons. Il y a plusieurs tontons Makout, journée aujourd'hui, qui dit qu'on peut intégrer nouvelle force armée ça. En tout cas, ça a causé une grosse peine à être chargé. Les populations ont considéré ça a été passé en bas, mais tontons Makout, frappe avec attaché. Ville H, Fleura Josué, signal FM. Merci Fleura Josué. N'a pas continué cérémonie pour mettre campé comité national pour avancement à la justice Konaj déroulé à hier jeudi 16 novembre 2017 là dans cour cassation sous champ de Maslan. Dans l'idée pour faciliter trois pouvoirs l'état à la fédération Baroyo prend bon genre décision pour résoudre problème la justice dans pays. Président cour supérieur pouvoir judiciaire Jules Cantave fait connait Konaj pral gain pour mission puis réfléchir à problème système justice lui-même là pour qu'on ait depuis quelque temps dans pays et puis bail citoyen yo pi bon service dans ça qui gain pour à dossier justice en côté explication président supérieur cour supérieur des CSPJ Jules Cantave dans micro Dieudonné Saint-Cyr. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, je vous donne à toutes et à tous la plus chaleureuse salutation du monde. Du même coup, toute la joie et la satisfaction de m'exprimer par devant cette majestueuse assemblée pour le lancement officiel du Comité national pour l'avancement de la justice, CONAJ. Je profite de cette occasion pour remercier Maître Jean-Miguel Sanon et Philippe Lamarche, également USAID, qui ont vu et compris la nécessité d'une initiative aussi louable. Mesdames et messieurs, la justice joue un rôle cardinal dans une société. Aucun de nous ne peut vivre sans justice. C'est pourquoi toutes celles et ceux qui prennent la responsabilité de critiquer, de fragiliser la justice et son travail, d'hypothéquer son indépendance, prennent une responsabilité
immense dans une démocratie et dans un état de droit, nous dit un auteur. Son importance nous convie aujourd'hui à prendre des décisions, à instituer le CONAGE, réunissant des personnalités importantes dans l'échiquier du pouvoir. CONAGE, c'est la symphonie des trois pouvoirs. C'est l'état de la plus grande concordance entre la Constitution et les principes de droit dans la pensée kantienne. L'objectif est de converger les actions des institutions étatiques concernées et d'améliorer le service public de la justice. CONAGE, c'est la volonté de cerner avec plus d'habileté les enjeux que sous-entend le fonctionnement de la justice afin de définir certaines directives claires et précises. CONAGE va jouer un rôle primordial dans la lutte contre les dérives sociales, la corruption, l'impunité, la détention préventive, le problème de surpopulation carcérale et tant d'autres. CONAGE est là pour rechercher les doléances et les frustrations et les transmettre au CSPJ et au ministère de la Justice concernant les magistrats assis et debout. Toutefois, personne ne peut ignorer que dans la réalité, il existe des violations de droits, parfois par complaisance ou par intérêt personnel. Aussi, CONAGE existe-t-il pour dénoncer ces faits aux institutions concernées en vue d'apporter des solutions appropriées, ce dans le plus bref délai. Voilà. On t'a écouté explication président CSPJA Jules Cantave. Comité ça a gagné là-dedans, représentant ministère de la Justice, CSPJ, et Commission Justice dans deux branches parlement avec la Fédération Barreau d'Haïti. Pendant le t'a participé dans la cérémonie, ministre de Justice et Sécurité publique lance salué initiative ça qui prend pour mettre campé Comité national pour avancement la justice CONAGE. Et dit Fortuné souhaiter tout acteur concerné mettre tête ensemble pour réfléchir sur tout problème système judiciaire haïtien à peu qu'on est depuis quelque temps. En côté ministre Eddy Fortuné dans micro de donner ceci. La justice haïtienne est affectée par un certain nombre de problèmes dont la solution requiert une volonté politique sans faille et la participation responsable des acteurs clés du système judiciaire. C'est dans ce contexte que le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, les présidents des commissions justice de la Chambre des députés et du Sénat, le président de la Fédération des barreaux d'Haïti, décident de mettre en place un comité de coordination permettant aux décideurs du secteur de la justice d'avoir un espace d'échange, de coordination et de vision relativement aux défis de la justice haïtienne. Cette structure n'a nullement la prétention de remplacer les institutions de l'État chargées de desservir les justiciables qui sollicitent le service public de la justice. L'initiative du CONAGE demeure une voie consensuelle et volontaire des partis pour œuvrer ensemble et adresser les nombreux problèmes qui affectent le système judiciaire en son sein, tels sous-financement, faiblesse des ressources, lenteur des procédures, surpopulation carcérale ou engorgement des prisons et surtout la corruption. Le vœu de cette structure est de contribuer à une bonne gouvernance de la justice pour qu'elle soit efficace, mais surtout efficiente. La toute première action identifiée par le comité, je parle du CONAGE, consiste à renforcer la lutte contre la corruption dans le système judiciaire. La corruption, quelle que soit sa forme, concussion, trafic d'influence, pot de vin, favoritisme, abus de biens sociaux, détournement, enrichissement illicite, etc., est un obstacle de taille pour le développement du pays et à la réalisation de l'objectif consistant à mettre fin à la pauvreté extrême en Haïti. La lutte contre la corruption devrait donc intéresser tous les secteurs de l'État et chaque autorité devrait et doit prendre sa responsabilité. C'est la raison pour laquelle, au niveau du secteur judiciaire, plus particulièrement au niveau du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, nous entendons mener une campagne de zéro tolérance pour les corrompus et leurs complices. Et ce sera toujours zéro tolérance tant que je serai ministre de la Justice. En plus des structures d'accueil de chaque institution faisant partie du CONAGE, une ligne de téléphone est mise à la disposition du public afin de dénoncer les cas de corruption dans le système judiciaire, car bien entendu, concernant les acteurs judiciaires. Voilà.
au tap côté ministre justice là Eddy Fortuné sous bon paio président commission justice ak sécurité dans Sénat République là ak président commission justice dans chambre député yo applaudi initiative pour créer comité national pour avancement justice Konage sénateur Jean Renel Senatus ak député Clovis Roba renouvelé détermination parlement haïtien pour continuer dans supporter toute démarche qui vise renforcer système judiciaire haïtien en côté une après l'autre sénateur Jean-Renel Senatus ak député Clovis Roba nan micro de Donné Saint-Cyr. Nous voulons quoi et porter participation pas nous mais une justice qui fort, une justice qui indépendant, une justice qui paraît à personne. Une justice qui baille chaque monde ça yo mérité suivant acte que opposé en dans société. Une justice qui veut aider citoyens au coin, nan juge, nan commissaire gouvernement, nan greffier, nan huissier. Une justice qui pas accepter moun faire persécution politique lorsqu'on c'est commissaire gouvernement ou bien c'est juge d'instruction ou bien c'est ministre la justice. Une justice qui respecte tout le monde et qui fait tout le monde comme monde. Une justice qui car un moment côté parlement a parlé de corruption, société a souffri de corruption, en pile gros dossier a traité de dossier Petro-Caribé, mais une justice qui est capable de camper à deux bras ouvri pour ramasser tout volet, tout corrompu, tout corrupteur, tout bandit à cravate, à veste comme ça que de tout nous pour le voyer au côté de aller. Nous là, comme parlementaires, en dans le comité ça, pour nous capables de pousser en bas toute loi qui est capable de permettre justice là. Reprendre escampe figure. En tant que président de la commission justice, droits humains et sécurité publique de la Chambre des députés, et d'abord comme étant avocat, soucieux des problèmes judiciaires qui tenaillent d'abord les veuves et les orphelins, je ne saurais ne pas être sensible à une amélioration de la justice en Haïti. Eh bien, j'espère que Konage ne va pas être une nomenclature fallacieuse, mais ça va être quelque chose d'efficacité et d'efficience qui va pouvoir contribuer dans une amélioration saine et équitable, une amélioration probante, palpable de la justice haïtienne et ceci au profit des plus défavorisés qui sont à la recherche de la justice. Commissaire gouvernement parquet Port-au-Prince, Oknam, clamé Damayus, posé un acte illégal. L'elle prend décision pour mettre mandat d'amener derrière Camille Junior Edouard, d'après avocat ancien ministre. Maître Berto Dorsey fait connaître commissaire gouvernement pas qu'à voyer un mandat d'amener derrière un monde sans pas de gain flagrant délit. Dans ce sens, avocat ancien ministre de justice l'a annoncé le pral assigné commissaire gouvernement Port-au-Prince, Oknam, clamé Damayus. En écoutant Maître Berto Dorsey, c'est Namiko Wesley Antoine. Dans le cadre par monsieur, si son commissaire qui travaille, ou gagne des indices pour que ou ta fait moun nan vini devant la justice, ce n'est pas mandat d'amener pour mettre. Tant que monsieur fait li pour l'autre dossier qui nan mène, dans l'attribution, monsieur, il est capable de classer le sans suite, il est capable aussi au plus voir le cabinet d'instruction. Mais comme lui-même, il estime, il est tellement chef, il est bien encadré par deux mouns qui peut-être tant cool, lui dit que derrière mandat d'invitation, la faut mandat d'amener, que la loi interdit. Et nous faisons pile effort pour que ça ne soit pas répété encore. M'kwe et au CNAM, tout bail, le temps pour ça ne pas jamais fait encore en Haïti, jusqu'à ce que nous tous nous disparaître. Mais comme bon Dieu tout-puissant, nous ne pouvons pas venir faire ça. Mais ça, m'kwe pas jamais mon commissaire du gouvernement qui fait ça après ça au CNAM faire. Et m'kwe que si dorénavant, ta gon interdiction qui a posé contre yon moun, gon mandat d'amener qui a permis sans flagrant délit, yon parle le mandat d'Oknam ou bien procédure d'Oknam. On dit que sous li mandat, son mandat exceptionnel, monsieur a adressé mandat directement à DDO. Alors que commandant la police là, relé, chef police là, relé Michael Gédéon. Si monsieur t'a voulu passer dans un niveau normal, il t'a voulu balle forme tant que j'en fais là, il t'a adressé correspondance là à directeur général la police, qui pas obligatoirement ça, mais gon forme que au fond mandat d'amener. Là monsieur a montré que li poli parce que en Haïti gon question de clan. Monsieur capable estimer monde qui capable faire ça, li fragiliser
et des deux en tout. L'écrit monsieur le mandé pour l'arrêter. C'est ça pour son petit clan Kapaji, monsieur dans clan Pal, c'est monsieur l'a fait à le premier ministre mené Bali. Parce que quel doit sauver la police pas qu'à exécuter un ordre qui manifestement illégal. Dans l'ensemble, sous prend le directeur général de la police dans le Konza, sous prend un avisé tant que Normil Rameau, monsieur Konza, à charge par n'importe qui monde. Je ne fais pas qu'un monde peut me faire un tempérament ça. N'importe quelle autorité ça qui t'a essayé d'exécuter le mandat, il est tenu personnellement responsable en raison de l'acte que le cabinet signifie déjà. Parce que même le commissaire au CNAM lui-même n'a pas fait le cadeau. Et n'a habitué à faire ça. Nous avons assignation, nous avons lancé contre monsieur. Nous avons garanti ça. Si la justice pas trop lente, pas de grève, décembre pour la Noël. Haïtien Abguessa, la loi destituée au CNAM, si vous parlez d'un premier monsieur dans ce moment-là, parce que le commissaire du gouvernement a eu un mandat un jour renouvelable. Interview pas même fini là, autant de révoquer au CNAM sans considération. L'autre dossier, Union Normalien Haïtien INO, dénoncé arrestation à cas détention illégale, directeur collège Maranatha Armand Louis. Coordonnateur général INOA exige libération pressé directeur en attendant bon Jean Lumière fait sous dossier ça. Josué Mérilien mandé pour la police agite un coup professionnel dans cadre opération la mené dans pays a. En côté coordonnateur INOA Josué Mérilien tena micro Dieudonné Saint-Cyr. Monsieur avant lui que la police voulait faire passer pour nous à tout faire pour les qui dans collaboration avec les bandits ou les ou les tout qui piégé yo. C'est menti. Avant lui comme on est qui correct, c'est vrai correct, qui va bilé, qui va bilé ça par ça. Donc je le dis, hein, nous comprenons mal que des histoires de la police, de faire se passer pour nos mauvaises affaires. Nous dénoncer l'arrestation, le masque qui va être sous lui, et nous demander rapidement que l'on baille avant lui une libération provisoire, en attendant qu'une enquête faite pour faire lumière sur ce qui est passé. Et ça nous connaît, et une information, c'est que avant lui, baille nos informations. Avant lui, mais enquête faite pour que l'île est faite pour qu'on ait véritable coupable. D'abord, pour respecter la police, pour y fonger fort contre le pays, pour professionnaliser la police de manière pour que les rapports opérationnels, ils fassent une opération propre, ils fassent pour que lui-même, comme policier, lui-même, ne soit pas victime. Parce que tant qu'il y a agi un amateur, il y a victime. Donc, pour améliorer ça, il faut qu'il prenne mesure pour professionnaliser la police. Là. Et d'un petit tout, le fait que nous agissons un amateur, nous victimes. C'est rageux sous l'opération de civil. Et le cas, ça qui passe le dire, c'est que nos victimes, ils ont tiré dans la tête gardien, ils ont tiré madame gardien, ils ont tiré au professeur dans le collège là, ils ont tiré dans le corps. Qui va mal sur cet assassinat lié. Lorsque la police victime, au lieu de chercher, c'est-à-dire coupable boule qui l'a côté des victimes, c'est mon population et civile que ont dit à touillé, à assassiner. C'est pas normal. Nous disons c'est ça. Et il nous voyait, c'est parti, bah, toute victime, qui est victime dans la police, victime dans la population, hein, que la police est fusillée. Donc, nous voyons, c'est parti, bah, et nous demandons que la police travaille correctement. Nous dit que, quoi, il est fait. Gagner le cas au jeune Norbert Stéphine, des victimes des hautes tentatives d'assassinat, le 29 novembre. Depuis le moment qui fait, pour connaître qui côté assassin est sorti. C'est un exemple, moi, je n'ai rien. Nous, il nous faut le faire encore sur solidarité. Bah, Norbert Stéphine, et modèle KBFM, pas la guerre, pas qu'il n'y ait aucune enquête de pouvoir intimider. Et nous demander qu'il y ait quelque fait pour jouer le véritable assassin qui était assassiné pour Jean Lebel. Signal sans fausse côté. Signal sans fausse côté. Moment arrivé pour nous prendre une pause de publicité, mais avant d'après le titre qui déjà développé. Yo. Arrêté présidentiel qui nomme yon commandement pour yon petit bout de temps force l'armée d'Haïti a publié hier jeudi a. Commandant la nouvelle force l'armée d'Haïti a gain pour mission rétabli, organiser et puis faire fonctionner l'armée a. 18 novembre 2017 là pour marquer 214e anniversaire année Batavetier pouvoir en place là annoncer déploiement force l'armée d'Haïti dans ville au Cap défilé haut état-major accompagné 150 soldats et puis agents PNH là à Ponce-Cité-Sao seulement y a pas non défilé a.
Dans l'idée pour remobiliser force l'armée d'Haïti, président République Jovenel Moïse déjà joint en bénédiction pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Décision s'apprend en cadre d'une rencontre qui était faite mercredi passé dans le palais national. Avocat ancien ministre de justice l'a dénoncé décision commissaire gouvernement Port-au-Prince, Oknam Klame Damayus prend pour mettre mandat d'amener derrière Camille Junior Edouard, c'est un acte illégal arbitré d'après déclaration maître Berto Dorsey. Commissaire gouvernement Port-au-Prince Bailod pour lever interdiction départ derrière ancien ministre économie et finance Yves Romain Bastien. Et puis lancement officiel à Yajedia, comité national pour avancer la justice Konage. Cérémonie en déroulé dans le local Cour cassation sous Chan Maslan en présence président Koua, ministre justice et bâtonnier Lord avocat. Et l'autre fois, merci d'être toujours été branché, Signal FM 90.5 et puis sur www.signalfmhaiti.com pour informer dans les ça. N'a pas continué avec un dossier et politique, mais nous prêts aller dans le Parlement haïtien, surtout dans le Sénat République. Là, y a un compte réalisé hier jeudi entre représentants exécutifs là et le Parlement sous direct mandat sénateur. Rencontre ça, il y a une commission. Après rencontre ça, il y a un comité mixte qui mettait sous pied pour faire suivi et puis joindre une formule constitutionnelle d'après président Grand Koa Yuri Latoti qui annonçait une autre rencontre dans 8 jours encore dans l'idée pour joindre une bonne solution sous question direct mandat sénateur qui lagué dans le Parlement haïtien. En coûte explication, sénateur Yuri Latoti dans micro Josué Lexidor. Sur la question du mandat des sénateurs, moi crois que tu as une rencontre foutueuse au niveau des deux pouvoirs. Et que gagner en commission mixte qui exécutif parlement qui chargé pour faire suivi et trouver exactement la formule constitutionnelle. Je pense que jeudi a plutôt nous tant de travail qui va le faire yo puisque bon jour élection là j'en fait attendre toujours en retard et jeudi a ça nous besoin c'est arriver en côté que justement mandat yo le temps constitutionnel harmonisé avec le temps électoral et que nous gagnons un amendement constitutionnel côté nous ca permettre côté nous ca river justement réduire nombre d'élection. Tout ceci c'est des réflexions entre les pouvoirs et me penser jeudi à son début n'a pas l'autre rencontre à la huitaine côté que bon groupe qui a réfléchi sur toutes ces questions pour la stabilité du pays et ensemble, nous allons continuer à réfléchir jusqu'à ce que nous ayons une solution. Nous recherchons toujours l'application de la loi, mais en démocratie, le consensus est permanent. Sénateur, est-ce que tout sénateur qui l'a pour 6 ans? Moi, je pense que au niveau de la Constitution, il dit que les sénateurs sont élus pour 6 ans, mais en même temps, il y a l'autre article qui dit que le mandat des sénateurs est renouvelable par tiers. Donc, deux bails sont complémentaires, il faut bien les comprendre. Lorsque élection faite à temps, il n'y a pas de problème. L'heure pas faite à temps, il y a deux sièges, il faut que vous déterminiez mandat tout en respectant le temps constitutionnel de l'élection des sénateurs. Voilà, sénateur Yuri Latoti. Institut national international pour démocratie et assistance électorale IDEA publié hier jeudi a un extrait dans livre qui porte nom contribution en réflexion sur institutionnalisation conseil électoral permanent en Haïti. Directrice IDEA Marie-Laurence Jocelyn Lasseg fait connait livre ça cap gain pour le soutien dans mois janvier 2018 là a porté en pile réflexion et recommandation pour conseil électoral provisoire pour conseil supérieur pouvoir judiciaire à tout et puis à pouvoir législatif là pour permettre de renforcer capacité dans façon il y a pas gérer question élection dans pays à en écouter explication directrice IDEA Marie-Laurence Jocelyn Lasseg dans micro d'Alina Dorival. Pour la démocratie et l'assistance électorale que en janvier n'a bien 6 ans nous toujours travaille avec un pays dans le cadre renforcement que ce soit parti politique parlement conseil électoral et depuis 2 ans on a réfléchi en pile sous le il va nous t'es campé conseil électoral permanent comment ça va se passer donc et nous t'es venu rendre nous compte avec une autre institution qui est très impliquée dans la question électorale qui c'est IFES résultat intéressant de rencontrer des anciens membres de CEP pour ouais comment expérience le fait ce qui était intéressant ça qui était moins intéressant donc t'es gagné plusieurs réunions avec IFES que nous voulons saluer c'est important que nous saluer notamment un spécialiste donc Van Guyen qui est basé
Mexico, mais qui toujours vini en Haïti, justement, dans quatre consultations que le gagne avec IFES. Et nous rendons compte, IDEA, qu'il fallait aller plus loin que ces rencontres et nous demander un avocat qui est spécialiste en question électorale, Maître Hudson, pour que les rencontrer des institutions, pour que les rencontrer tout un pile ancien membre conseil électoral qui pas dans la réunion yo, pour connaître qui l'idée yo, qui proposition yo, qui recommandation yo par rapport à implémentation yon conseil électoral permanent. Donc c'est comme ça que Maître Hudson était pendant près de 2 ans à rencontrer des anciens membres du conseil électoral, des mounes qui responsables de BED, responsables de BEC, pour connaître si nous-mêmes yo t'a mandé nos recommandations, yo t'a mandé nos conseils pour mettre campé un conseil permanent qui l'idée nous. Donc c'est pour ça que nous faisons un livre sur le conseil électoral permanent. Mais ce livre, Libra se dit en janvier, nous rendons compte que l'important, parce que Libra servit à conseil électoral, non, Libra servit à ni exécutif, ni CSPJ, ni parlement, ni société civile, non. Mais nous réaliser que au moment où nous là ensemble, gain en pile réflexion, gain en pile brasser l'idée qu'a faite sous mettre campé un conseil électoral permanent. Donc c'est pour ça que nous t'ai décidé prendre extrait d'un livre qui sous conseil permanent, extrait ça qui parlait lui-même de façon très précise de mettre campé conseil permanent. Je me dis mais puis on rend extrait à public parce que comme ça l'ipral servi, l'ipral versé non réflexion cap faite au niveau de tous les pouvoirs sur conseil permanent pour que le grand conseil permanent qui mettait sous pied ne pas poser question sous est-ce que mon nom li compétent ou bien est-ce que li pas compétent ou est-ce que conseil là li équilibré par un déséquilibre en dans conseil là. Donc à partir de tout interview yo, à partir de tout chita tande sa yo que avocat te fait avec toute personnalité qui intéressée ou qui concernée par conseil électoral, nous t'ai fait livre ça et nous parlons ensemble. Signal sans fausse côté. L'autre information, ministre Affaires sociales, acteur de violence, Stéphanie Auguste, accompagné directeur général Ona Chesnel Pierre, avec directeur Ofatma Agabus Joseph, tenant parlement ailleurs, sous invitation commission Affaires sociales, acteur de violence. Fonctionnement Ona, problème contractuel, ministère Affaires sociales, avec scandale kit scolaire qui était pété, c'est quelques points qui étaient discutés. Dans rencontre ça, d'après président commission Antonio Chirami, tout le monde connaît son nom Don Kato. La potée plus explication dans le micro, José Lexidor. Nous avons rencontré jeudi pour une séance de travail avec le ministère des Affaires sociales qui était accompagné et ONA et au Fatma. Et tout le monde connaît déjà, rencontre ça, nous avons envoyé une invitation plusieurs fois, mais nous n'avons pas de présenter. Et jeudi, nous est présent. Et nous poser tout problème que nous qui t'a qui t'est préoccupé et commission hein. Par exemple nous poser problème ouvrier, nous poser problème rapport et 5e rapport CSS là qui t'est dû sortir depuis et 30 et 1er octobre qui pas sorti, nous poser problème ONA, bien entendu gain des éclaircissements qui porté dans dossier ONA, mais gain tout ces ministre promettre nous ligon commission qui travaille pour et automatiquement commission a remet li ensemble des documents la ka communiquer nou yo. Ensuite et au Fatma li di nou gen progrès qui fait pendant n'ap mené bataille la, gen des moun qui pas payé vraiment qui commencé à pote cob, même gens on a dit nous pendant bataille l'ap mené gen moun qui pote copé cap qui commence à pote cob. Et me penser bataille que n'ap mené pour ouvrier au cas joindre accompagnement social yo, ouvrier au cas joindre ça que on a lui-même n'était pour mettre yo, me penser travail ça nous travail sur lui et gain avancement qu'a fait.
et quoi déjà après le dit qui type d'avancement que qui a fait yo. Ensuite nous gagnons et ministre dans tout dans différents sorties que il fait par exemple au niveau centre d'accueil et Carrefour Delma 3, il dit nous qui disposition que il prend déjà pour accompagner Mounio. Nous-mêmes dans jour qu'a venir nous pas gain pour nous inviter ministre dans venir là encore. N'a pas pour nous descendre sur le terrain pour nous regarder tout ça qui dit qui fait yo pour nous est-ce que vous faites dans quel niveau et n'a pas pour nous et reparler avec la presse suite à rencontre jeudi. Jeudi à ça qui est important c'est que nous faisons rencontre qui était déjà on a ouais c'est pas coup de poing d'avoir tiré qui fait il pas de venir ministre là ouais c'était un bagaille normal pour commission invité et pour nous travailler ensemble pour nous qui j'en nous faciliter monde que l'état abandonné ouvrier monde qui cotiser qui pas jamais ka jwenn petit prêt dans on a nous parler de informatiser système on a parce que il est trop lent le monde il font petit prêt dans on a prend trop de temps tout problème ça a été posé jodi en gros satisfait de la porte là et m'pa ka dire m'satisfait poukou satisfait parce que gon ensemble de documents ensemble de contrats par exemple dossier kit là nous parler et ministre n'a bien pour lui et communiquer quelques documents et ni au niveau Fatma ni au niveau on a gain des documents que le ministre n'a bien pour le porter ba nous parce qu'il gon commission que li mette ni bon au Fatma ni bon on a cap travail yo pour qu'on remettre les rapports li dit aussitôt que on remettre les rapports à la bien pour et voyer pour commission affaires sociales là moi compter sous parole ministre moi compter sous parole directeur et on a qui promet que le pral informatiser système nan pour le moun yo vinn fonti prêt pour pas prendre tout temps ça yo et nous compter tout sous et parole directeur Fatma qui dit nous gain avancement k'ap fait mais moi pral descendre sous béton hein, pour m'assurer que tout ça yo dit qui fait yo moi pral essayer regarder est-ce que yo fait vraiment. Sénateur Antonio Chirami. Bon côté par la ministre des Affaires sociales et du Travail, Stéphanie Auguste, dit le satisfait pour voir son rencontre l'an déroulé. Et puis, sénateur, membre commission, ça joint toute information. Yo te besoin, yo. Programme Changer la vie, changer métier, déjà sous place, pour permettre bénéficiaires, yo, intégrer marché travail, là. D'après ministre des Affaires sociales et du Travail, Stéphanie Auguste, lui-même qui était dans le micro, Josué Lexidor. Remercier président commission affaires sociales là qui t'est jugé nécessaire pour rencontrer nous et bon côté PAM, bon côté directeur tout nous même nous très satisfaits de rencontre là parce que son rencontre fructueuse côté nous échanger effectivement des informations parce que profitable pour commission et sénat en termes de commission affaires sociales sénat et qui profitable pour nous tous pour nous te ka konnen dans quelle direction et comme président sénat président commission Sodili gen en pile documentation qui ka permettre des deux côtés que nous ka travailler ensemble nous ka harmoniser information yo pour nous ka aboutir et par rapport à contractuel yo nous te parlé de ça tout et sénateur honorable sénateur d'accord avec que c'était kondimono c'était plus gros malin qu'a dit que ministère affaires sociales et gagne côté nous vinn joindre moins nous clair tout oui. Tout contractuel qui travaille la paye yo et même ça qui te gagne contrat pas de vini son base forfaitaire n'a paye yo tout et nous dit tout gagne des programmes qui en place par exemple changer la vie, changer métier. Tout ça, c'est des programmes qui là sous place, qui pour le monde qui sous béton, nous pas plaguer, mais nous pas changer la vie. Côté n'a pas des formations de courte durée, de 6 mois, de 9 mois, qui ka permettre yo utile tête yo pour joindre yon gens pour yo utile tête yo pour yo ka travail. Parce que nous ka comprendre que 4000 contractuels, j'en te dis là, nous joignent environ presque 785, environ 800 contractuels doublons, ça veut dire des mouns, un seul moun, nous jouons au moins deux contrats et à des prix différents. Ça veut dire ça, faut que nous stoppions l'hémorragie, ça, son gangrène, son cancer lié et l'île le temps pour gaspillage, ça qu'a fait là, pour nous capir. Même gens ou même, on bataille. Pour petit peuple là, pour peuple là, pour joindre ça, pour joindre là, mais gagote qu'a fait l'affaire sociale en termes de contractuel, bah c'est lui le tout pour mettre fin à gagote ça, pour ça pour venir joindre peuple là, à joindre peuple là.
Parce que contrat ça yo qui fictif, on moun ki gen deux contrats sous même nifla, on yon 75 000 goud par exemple, yon 100 000 goud pour un seul moun, tandis que gen l'autre moun nan assurance ki pa gen, gen bénéficiaire que nous te kabay comme subvention. Nous parlons tout de centre d'accueil yo, et en moins de deux mois, j'aime dire l'évolution que nous-mêmes, dans l'État, nous devons jouer un centre d'accueil et côté progressivement notre travail pour centre d'accueil, deux centres d'accueil et cri tout qui gagne dans centre d'accueil par rapport à contractuel. Côté nous dit, on ti moun dans centre d'accueil Kafou, comparativement à nombre de contractuels, on ti moun doit gagner deux contractuels pour tête li. Ça veut dire tout ça, c'est des gagotes que nous-mêmes, dans le ministère des Affaires sociales, dans cabinet, dans direction APC rectifié. Voilà, ministre Affaires sociales là, Stéphanie Auguste. L'autre information, lycéens ont manifesté hier en ville Cap-Haïtien pour demander présence professeur pour venir faire cours dans classe yo. Dans sens ça, élèves protestataires ont dénoncé absence enseignant yo depuis plusieurs semaines qui pas jamais venir faire cours dans lycée dans ville Cap-Haïtien. Plus de détails avec Ernest Saint-Illus, correspondant Radio Télésignal dans ville au Cap. Dans le département Nord-Pays d'Haïti, ça qui domine l'actualité, c'est la situation élève qui élève lycée dans le département Nord-Land, particulièrement dans le Cap-Haïtien qui a été manifesté d'une façon pour capable demander aux autorités, pour capable prendre des solutions pour permettre que les lycées eux-mêmes fonctionnent après les grèves que les professeurs eux-mêmes ont été faites. Et il faut dire, hier, nous avons bloqué deux rentrées principales dans la ville Cap-Haïtien. Et ça qui fait que la circulation n'est pas bon du tout. Nous ne pas capable de rentrer dans cette ville-là. Nous qui voulons et pour capable de sortir dans la cité pour aller dans cette ville-là. Et il faut dire que pas qu'il y a une réaction qui était faite de bon côté autorité. C'est seulement la police qui a réagi vers 10h comme ça. Il y a été quitté l'espace que il a été trouvé. Mais pour connaître là, ces réactions qui a été faites par rapport à la situation qui est là, il y a un ancien candidat, par exemple, pour poste député commune plaisante pour en bas bannière. Parti politique HTK, Jean-Claude, qui dénonçait tolérance ludique que les constatait la police a gagné et dans le Cap-Haïtien, devant et nouvelle stratégie que les lycées au même point, élèves là-haut qui a protesté dans la ville-là, pour les stratégies qui, à mercredi 15 novembre, qui ont bloqué deux rentrées principales villes-là à Couban et puis ont été établis basés dans la zone nord, ça a quitté à cause d'un embouteillage, Jean-Claude des villes-là. Jean-Claude dit, la pose peut-être les questions pour qu'on ait. Si Patava gagne une volonté, beaucoup de police nationale, là, pour qu'elle fasse échec à projet parade militaire dans la deuxième ville là, et parade que nous avons fait 18 novembre, quand il y a là. N'a pas continué ministre agriculture et ressources naturelles avec le développement rural lancé jeudi 16 novembre en campagne vaccination contre maladie rein et casser la caille cochon. Ministre Carmel André Béliard fait connaître l'important pour la population vacciner toute bête gagnée et puis le préciser campagne vaccination ça a pas joint bois de l'argent Banque Interaméricaine de Développement l'a démarré dans mois décembre cap venir là. Nous invité au côté ministre agriculture Carmel André Béliard, dans le micro d'Alena Dorival. Secteur élevage là, la caillou, c'est un secteur qui est important pour grand secteur agriculture. C'est ça qui fait que dans la feuille de route que le gouvernement Moïse Lafont a soumettre nous, élevage là, il a une très grande importance et il vient constituer comme une des priorités. Et nous tous connaissons qui ça élevage représenté pour la paysannerie rurale haïtienne. Ce n'est pas la première maladie qui attaquait le cochon. Nous tous, nous songeons, ça nous est passé en 1978 avec la peste porcine africaine, qui était un pile problème qui était venu conduire à éradiquer tout cochon pour ne pas quitter souche. Nous venons d'une peste porcine classique là, qui introduit la caillou en 1996. Toute maladie, ça y est, majorité probablement toute maladie sont même causées par des vermines qui sont de l'autre côté. Ça que nous relions dans le langage scientifique là, des pathogènes exotiques. Tes chaînes là, ça nous relions les maladies rincassées. Hein? Nous parlons de ça fait yorer les bon ça, parce que c'est un ancien tomio. L'ivine là, quand nous, en 2009, tout pour nous relions rincassées. Mais problème que l'ivine créé, pendant que nous avons lutté contre peste porcine classique là, tes chaînes viennent paraître presque un tableau de symptômes qui similaire
à pesposin classique là. D'où les vins rendent diagnostic là presque difficile. Il vient rendre difficile. Et symptômes ça, c'est problème respiratoire, problème digestion, problème de reproduction. Et à la fin, le cas vient presque chronique ou vient joindre que cochon l'a traîné avec deux pieds de vol après reste derrière traîné. C'est-à-dire que le mille rien cassé. Son maladie qui est causée par un virus et son maladie qui est très contagieuse. Et il n'y a pas l'âge pour l'attaquer cochon. Il attaque cochon à tout âge. Face à situation sanitaire, ça. Le ministère a toujours fait effort pour réaliser des campagnes nationales de vaccination contre toutes deux maladies, ça. Et peste porcine classique là, et rien cassé. Toujours son base régulière pour nous capables d'arriver à contrôler ou bien à éradication. Mais malheureusement, son cas déplorable depuis 2015, pour des raisons, docteur Milien, sont évoquées plus ou moins, n'ont pas joué un vaccin ni pour tes chaînes, ni contre peste porcine classique. Récemment, grâce à l'appui de l'ONG EFER International, avec ONG ça, nous essayons encore depuis 2013, et grâce au financement de Banque Interaméricaine de Développement, la BID, ministère de Baïtetli, comme objectif pour t'acheter pour exercice 2017-2018, ça, 850 000 doses de vaccins contre maladie rincassée. Et actuellement, nous avons 150 000 doses qui sont disponibles en Haïti, dans la chambre froide. Ministre agriculture Carmel André Béliard, nan Belader, responsable protection civile, a confirmé qu'il y a environ 123 cailles qui ont inondé après que la pluie a tombé depuis quelques jours au pays. Il y a une situation qui la population dans le département Nip en gros tête chargée. Jean-Étienne Leblanc, correspondant permanent Signal FM dans la ville Miragouane. La commune Belader, côté que tout le monde pas espéré pour quantité l'argent qui a dépensé dans la commune ça. Et personne n'a pas espéré si ça qui est arrivé Barader hier, t'a privé, et le fait que y a une question caravane qui a pas fouillé rivière, et qui a fait déviation, et puis ouais, qui est capable de faire passer route. Mais hier soir, responsable protection civile, dans le département Niplan, déjà enregistré presque 123 cailles qui inondaient dans le centre-ville commune Barader hier soir avec la pluie qui a tombé sous département Niplan. Mais pas oublier que caravane c'est dans Barader que les chita, c'est là que gien corp chaque jour qui a dépensé machine a monté descend. Mais qui ça qui la cause que tout travail qu'a fait là yo pas capable river freiner question de l'eau qui a bail problème dans centre-ville commune Barader. Pas seulement Barader tout, mais nous capable pour garder commune l'asile, mais l'asile pas une question caravane là dedans. Mais de l'eau a monté à toujours, a continué par les problèmes dans le centre-ville là. Mais il y a peut-être moins de communes païennes, tout, il y a des difficultés avec la pluie qui a tombé là. Et puis, vent qui a venté là, qui a baillé les paysans, il y a un gros problème. Puis, il y a même arrivé à louer jardin. Là, nous connaissons qu'il y a une saison pour aller planter pois. Et pois, ça y est, qui n'est pas mêlé avec la pluie, il y a un gros problème. Non, pas M. Jean-Edi Leblanc, depuis Miragouane, pour Signal FM. Merci Jean-Edi Leblanc. Yon mon sport pour nous fini, mais c'est à NBA. Résultat qui était fait hier. Hier, Phoenix lui-même li tombé devant Houston Rockets 142 à 116. Houston Rockets lui-même li bat Phoenix. Donc li bat Phoenix pour 26 points d'écart. Et puis Boston Celtics lui-même li bat Golden State 92 à 88. Donc Golden State li perdi yon 4e match li, et puis Houston Rockets lui-même li fait 14e victoire li, donc affilé dans NBA depuis match a commencé. Boston lui-même l'a marché bat équipe en pile, monde pas attendre que Boston lui-même li te ka bat Golden State qui était champion dans saison régulière année passée. Donc match cap gagné pour Asoya là à 7h a bien Detroit qui a joué avec Indiana, à même 7h a bien Miami qui a joué avec Washington, et puis à 7h30 a bien Los Angeles Clippers qui a joué avec Cleveland Cavaliers. À 7h30 encore a bien Utah Jazz qui a joué à Boston, à Brooklyn. New York Knicks a joué avec Toronto Raptors à 7h30. À 8h a bien Charlotte qui a joué avec Chicago Bulls.
ak 8 ans encore Afghan Oklahoma City cap joue ak San Antonio Spurs nan même à 8h30 Afghan Minnesota cap joue ak Dallas ak 10h Afghan Portland nan Trailblazers cap joue ak Sacramento et à 10h30 Afghan Nouvelle Orléans cap joue ak Denver et puis ak 10h30 Afghan Phoenix cap joue ak Los Angeles Lakers donc c'est match sa yo cap gagnen pour aswea nan NBA basketball. Signal sans fausse côté. Moment arrivé pour nous mettre un bout dans signal sans force côté pour matin vendredi 17 novembre 2017 la mai avant d'aller dans la le titre qui te fait essentiel journal Sila. Arrêté présidentiel qui nommé un commandement pour un petit bout de temps force l'armée d'Haïti publié hier jeudi à commandement ça nouvelle force armée d'Haïti ça pral gain pour mission rétablir organiser et puis faire fonctionner nouvelle armée d'Haïti à 18 novembre 2017 là pour marquer 214e anniversaire bataille 20e pour voir en place là annoncer déploiement force l'armée d'Haïti dans ville au Cap défilé au état-major accompagné 150 soldats et puis agents PNH là à Panameni défilé si là. Dans l'idée pour remobiliser force l'armée d'Haïti, président République Jovenel Moïse déjà joint une bénédiction pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Décision s'apprend en cadre d'une rencontre qui était faite mercredi 15 novembre passé dans le Palais National. Avocat ancien ministre justice l'an dénoncé décision commissaire gouvernement Port-au-Prince là au nam clamé Damayus prend pour mettre mandat d'amener derrière Camille Junior Edouard, c'est un zac illégal arbitré d'après déclaration maître Berto Dorsey. Commissaire gouvernement Port-au-Prince l'an by l'ordre pour lever interdiction départ il était metté derrière ancien ministre économie et finance Yves Romain Bastien. Lancement officiel hier jeudi à Comité national pour avancement la justice CONAJ. Cérémonie en déroulé dans local Cour cassation sous Chanmas en présence président Cour cassation ministre justice là avec bâtonné l'ordre avocat Port-au-Prince là. Opposition politique là pas décidé chômer, yo annoncé une nouvelle manifestation pour samedi 18 novembre cap vini là dans Port-au-Prince ak nan ville au Cap. C'est toujours même objectif là, dénoncer loi finance 2017-2018 là et puis mandé départ équipe qui sous pouvoir. Haïti inondation, deux moun mouri parmi yo, yon ti moun 12 l'année dans l'île Avache ak 23 kay inondé. C'est bilan dégâts inondation causé dans département Nip ak dans département Sid d'après protection civile. Merci d'être côté rentré branché radio pour la signal FM pour te informer dans les ça journal ça lui-même l'était arrivé possible grâce à si pour toute équipe ça la nouvelle là manœuvre technique c'était Fabrice Bolané production Ferro des sources coordination Josué Lexidor en bas supervision Tom Dumont rédaction Arnold Dorsius et puis encore présentation Arnold Dorsius.